Ah, Mimi de Mandaril. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve devant mon aéroport parce qu'on va encore une fois faire une chasse. Je suis vraiment désolée pour le spam là, je vous en ai sorti plein plein d'affilée. Mais bon, il faut bien que je fasse avancer mon île un petit peu. Du coup, cette fois-ci, pas comme la chasse avec Rouge-Pif et Gladys, j'ai une mini wishlist. Donc, en premier, évidemment, il y a Magogo que j'aimerais tellement retrouver. On a Sabrina, Croquette, Mirza, Nonos, Mounia et Phébus. Alors, c'est pas sûr que je les prendrai si je les croise. Par exemple, Phébus, il a une maison japonaise qui m'inspire pas énormément. Mais vraiment, le but ultime là, c'est Magogo. Alors, j'ai 50 tickets en poche. J'espère que ce sera assez. Mais je suis pas contre une grosse chasse. Là, si je pars sur 100 tickets, c'est pas la mort, ça me dérange pas. D'ailleurs, pour ce qui est de ma tenue, là, je suis d'accord que ça va pas du tout. Mais Magogo, il a un petit pull quadrillé. Alors je me suis dit que j'allais m'habiller en quadrillé pour, en quelque sorte, l'appeler. On va dire ça comme ça. Après, je suis pas à l'abri d'un coup de cœur non plus, hein. J'ai une petite wishlist, mais comme je vous ai dit la dernière fois, dans la chasse de rouge... Attendez. Oui, c'était la chasse de rouge pif. J'ai un peu envie de me faire plaisir, quoi. Pas trop me prendre la tête. Si jamais je trouve pas ma gogo, au pire, je ferai son amiibo, mais si je le trouve pas, c'est pas grave non plus. Ok. C'est bleu. Et nous, on veut pas du bleu. D'ailleurs, c'est Mathéo qui est parti. Ça faisait un bail que je l'avais, Mathéo. Alors, où es-tu? Oh non. Pitié. Si après les 50 tickets, j'ai trouvé personne. Je pense que je ferai un peu comme les dernières fois, donc j'effacerai le cache de ma console. Si vous ne savez pas comment on fait, je vous mets la vidéo où je vous explique rapidement ce que c'est et comment on fait dans le petit i. Mais franchement, c'est une astuce géniale si vous voulez un peu varier les habitants que vous avez sur les chasses à l'habitant, sur les îles pendant vos chasses à l'habitant plutôt. Et franchement, ça m'a sauvé la vie plusieurs fois. Parce que je me rappelle les chasses de 150-200 tickets pour Damia, Linette, etc. Si j'avais connu cette astuce plus tôt, ça m'aurait fait économiser pas mal de tickets. Alors, troisième... Oh, elle est tellement cute, Dorothée. Mais ça va pas trop dans mon thème, sorry. J'ai envie d'un petit peu discuter avec vous. Mais vu que mon PC ne me permet pas encore de faire des lives sur Twitch ou YouTube ou quoi que ce soit, mettez-moi un peu en commentaire votre wishlist actuelle. Parce que je trouve ça super marrant de voir qui vous cherchez. Et puis qu'on compare un peu nos wishlists en fait. Si ça se trouve, je vais passer devant plein des habitants que vous cherchez. Et je vais en prendre aucun. Mais je trouve ça marrant de voir un peu les habitants que les gens aiment. Même si c'est souvent les mêmes qui reviennent. Il y a beaucoup de gens qui aiment Bibi, Raymond, Laura, etc. Mais c'est pour ça que moi, pour l'instant, je cherche vraiment des habitants qui sont un peu sous-cotés. Parce que j'aime bien avoir des habitants qu'on voit pas souvent. Oh là là. Mon pitié. À toi, pour le coup, t'es bien sous-côté, là. Erk. Mais oui. Du coup, en parlant de mon PC, vous l'avez peut-être remarqué, mais je suis revenue à mon ancienne méthode d'enregistrement, en fait. Parce que les dernières vidéos que j'ai fait, j'enregistrais sur OBS, le son. Et en fait, ça a fait plusieurs trucs bizarres. Alors le son était très bien,
Mais par contre, par exemple, la vidéo avec Rouge Pif. Non, pas celle avec Rouge Pif. C'était une vidéo que j'ai tournée, mais que je sais pas si je vais sortir encore. Peut-être qu'elle sortira avant celle-là ou pas, je sais pas. Mais en gros, le son du jeu, c'est calqué sur le son du micro. Et du coup, c'est impossible que j'augmente le son de mon micro sans augmenter le son du jeu, en fait. Et de base, le son du jeu est beaucoup trop fort sur le son du micro. Du coup, le son est complètement foutu, inutilisable. Alors, je sais pas encore si la vidéo sortira du coup au moment où je filme. J'ai la vidéo sur mon PC, mais le son, je sais pas. Et du coup, la vidéo Stardew Valley, si vous l'avez vue, vous avez sûrement remarqué qu'il n'y a pas d'outro en fait. Et c'est parce que le son sur OBS s'est coupé à partir du moment où je voulais faire l'outro. Et donc, oui, je papote beaucoup. On va aller voir qui est sur l'île là, mais je termine. Et ben, sur la vidéo Stardew Valley, du coup, le son a complètement coupé. Du coup, j'ai manipulé un petit truc pour essayer de vous faire une conclusion un peu potable avec du texte, etc. Mais franchement, ça me saoule. Alors, je pense pas que ce soit OBS le problème, c'est juste mon PC en fait qui a du mal. Qui chauffe trop, ou je sais pas si c'est le processeur, quoi que ce soit. Enfin, mon copain s'y connaît un peu, mais moi pas du tout. Donc, pour ce qui est d'un meilleur son, pour ce qui est des lives, je vais attendre d'avoir un meilleur PC. Ça me frustre beaucoup parce que j'aimerais vraiment vous sortir des vidéos chouettes et de bonne qualité et que je sois satisfaite à 100% parce que j'aime bien faire les choses comme il faut et je vais beaucoup dans le détail, etc. Mais là, il y a des choses qui sont pas réalisables en fait. Et il faut que je m'y fasse, même si ça me frustre beaucoup. Mais bon. D'accord. Bon bah. On y va. Mais du coup, pour ceux qui trouvent que la façon dont j'enregistre encore maintenant est pas parfaite, je suis d'accord avec vous. J'en suis désolée. Il y aura toujours un petit soufflement en arrière-plan de ma voix. À part si je trouve un moyen de réduire le bruit sur un autre logiciel encore, etc. Que je chipote un peu au son et tout. Je ferai au mieux. Mais bon, je fais avec ce que j'ai. Je mets de côté pour un nouveau PC, mais à côté de ça, j'ai mes cours, je suis à l'université, etc. Là, on est en vacances, mais j'ai encore des cours pour réussir mes examens du mois d'août. Je prends des cours particuliers. Du coup, au niveau timing, j'ai pas énormément de temps pour me faire de l'argent à côté. Et voilà. Puis de toute façon, YouTube, c'est un peu comme un hobby. En fait, c'est un passe-temps, quelque chose que j'aime bien faire à côté de mes cours, etc. Donc, je me dis, si c'est pas parfait, parfait. C'est pas dramatique, au pire, si le son vous dérange, vous partez de la vidéo, etc. Je comprends. Mais bon. Oh, Chuck! Oh, je l'aime trop, Chuck! Il est trop beau. C'était mon premier sportif de ma partie. Mais j'ai déjà 45 000 sportifs sur mon île, là, donc. Ce sera pour une prochaine. J'ai vraiment trop envie de parler là. J'ai envie de discuter avec vous. Racontez-moi un peu vos vies. Dites-moi ce que vous faites sur vos îles pour l'instant. Moi, ici, cette vidéo là, je veux que vous m'écriviez des pavés dans les commentaires. Faites-moi un énorme commentaire. Vous me racontez votre vie, vos projets pour vos îles, quel est votre thème, votre wishlist. Je veux tout savoir. C'est pour ça que je suis très frustrée de ne pas pouvoir faire des lives en fait, parce que ce serait génial de vous parler comme ça et que vous me répondiez directement dans le chat, ce serait trop cool. Allez, petit habitant, où es-tu? Je suis folle ou il n'y a personne? Bah si, il y a un feu de camp, donc logiquement il y a quelqu'un. Il est. Ah! Oh Julie! Oh, elle est trop belle! Elle a des petits cheveux de. Oh, elle a des petits cheveux là qui me. Pas, ça me répugne pas, mais. Je
j'ai du mal, quoi. On dirait, vous savez, je sais pas si vous avez un jardin, mais il y a des plantes comme ça. Donc quand vous allez trop près des plantes, et ben il y a des petits trucs qui s'accrochent dans vos vêtements là, et c'est impossible à retirer, c'est trop chiant. Je sais pas comment ça s'appelle, mais on dirait ça. Alors Julie, elle est magnifique par contre. Elle a des yeux, mais oh, incroyable. Mais de toute façon, j'ai déjà Gladys, et au moins Gladys, elle a pas ses petits cheveux de caca là. Je suis contente de tourner une chasse à l'habitant parce que ça me met toujours un peu de bonne humeur de tourner une vidéo. Après, je suis très frustrée si le son est dégueu, mais bon, cette fois-ci, je pense que ça devrait aller. Ok, on s'en va. Oh. Elle est cute. Elle est mignonne, mais j'ai déjà 45 000 hamsters. Alors. Mais quoi ? Encore ! Pardon ? Vraiment ? C'est possible, ça ? Que mon île est destinée à avoir que des hamsters en fait. C'est pas ça, elle est très mignonne. J'aurais grave pu la prendre en vrai, elle est complètement dans les couleurs et tout. Après, j'ai pas vu sa maison. Je crois que c'est une arrogante en plus. J'ai juste Laura en arrogante et Laura va bientôt s'en aller. Mais Ah, le harcèlement quoi. Alors. Ouais. C'est complètement ce que je cherche, ouais. Oh. Petit bébé. Elle est tellement chou. D'ailleurs, je vous en parle ici parce que bah, la vidéo est sortie ce matin. Mais la vidéo Stardew Valley, j'ai l'impression que vous aimez pas trop ça. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que vous préférez largement les vidéos Animal Crossing. Mais où est-ce qu'il est ? Je l'ai vu. Ah. Oh, elle est cute. J'ai pas de personnage vivant en plus. Ah, mais elle est trop mignonne. Je sais pas combien de tickets là. J'en ai fait 13. C'est pas beaucoup. Oh mais regardez sa tête. J'ai retourné voir sa maison. En vrai si, je pense que ça irait dans le thème. Hein. J'aime pas trop l'intérieur de sa maison, mais ça à la limite, c'est pas très grave. Vous savez quoi? Je vais la prendre. Oh, elle est trop chou. Allez, viens. J'ai pas de vie en plus. Donc, c'est cool. Oh, je suis contente. Je m'y attendais pas trop. Mais... Ouais, je suis contente. Donc, oui, je regardais ma carte. Ceux que je voudrais faire partir, alors il y a Laura et peut-être Marty, parce que Marty, en fait, je l'ai depuis longtemps. Puis j'ai son ami Beau et en fait, il m'énerve un peu. C'est super triste, mais en fait, j'adore les paresseux. Mais par exemple, les paresseux comme Guido, je les trouve beaucoup mieux parce que Guido, il est vraiment tout petit. Et c'est pas grave s'il est un peu stupide, genre, dans ma tête, c'est un bébé, quoi, donc c'est logique. Mais Marty, j'ai un peu du mal, parce que bah, son visage est cute et tout. Mais je sais pas, j'accroche moins qu'avec Guido ou Philibert, par exemple. Donc, Marty ou Laura, ou bien Irène, vraiment, parce que Irène, ça fait aussi une plombe que je l'ai. Et puis, elle va un peu moins dans mon thème. Bon, eh bien, écoutez, c'est ici qu'on va terminer la vidéo. Il y a Laura qui chante. Qui ne chante plus. Oh, il se parle.
du coup, je disais. Je suis très contente d'avoir pris Gabi. Elle est trop chaud. Donc voilà à quoi ressemble sa maison ici. Franchement, ça va au niveau du thème et tout. Je sais pas encore où est-ce que je vais installer sa maison. Mais ça va. C'est pas la pire maison du monde. Plus de ça, elle est trop chou. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse le dire en commentaire, laissez un petit like et tout, comme d'habitude. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!